Recoucou tout le monde, donc là, deux secondes, enfin, cette vidéo ne durera pas très longtemps, je pense. C'est juste pour vous faire voir un peu comment faire une vidéo. Donc, c'est pas très compliqué. Normalement, vers là, ça va être écrit le logiciel Screencast. Attendez, je vais vous donner. Oui, désolé, il y avait un petit bug. Donc, je sais pas si je vais faire une vidéo. Oui, comment faire une vidéo. Donc, moi, j'utilise Screencast, donc je vais voir un peu comment télécharger. Comment il marche et tout, donc c'est pas très compliqué. Donc, moi j'ai mis beaucoup de temps à le télécharger. Je voudrais télécharger Aquasoft, mais enfin le craquer et tout. Si quelqu'un sait comment faire, franchement dites-le moi. Voilà, non, parce que je sais pas du tout. Donc là, attendez. Non, ça va. Donc vous allez sur le truc en haut là, Start Recording. Vous cliquez sur Donald plus Out All. Ensuite, vous cliquez sur Donald Now. Après, vous cliquez sur ça et ça va vous télécharger. Donc, après, je vais vous faire voir un peu comment l'utiliser. Donc, j'ai plein de messages. Voilà. Donc, c'est tout simple. Je vais vous faire voir. Alors, je vais vous faire manger une sucette. Attendez. Donc, c'est tout simple. Quand vous allez l'ouvrir, que vous vous mettre, voulez vous exécuter ces programmes, modifier votre ordinateur, enfin voilà, ça, ça fait rien, vous mettez OK, OK, OK. Donc, après, quand vous arrivez sur le logiciel, en bas, il y a une petite barre, attends, on va voir. On va chercher les images. Attendez, si je trouve. Bon, c'est pas grave. Vous allez tomber sur un truc. Ils vont vous mettre us free. Je sais pas comment on dit. Enfin, il y aura deux icônes. Vous cliquez sur celle qui est en bas à droite. Donc, elle sera au milieu là, en bas à droite. Vous cliquerez. Et après, et ben, ça va vous ouvrir un carré. Enfin, je sais pas comment on peut dire ça. Voilà, ça va vous ouvrir un truc comme ça, là, le petit pointillé, vous voyez là, ça va vous ouvrir ça, donc là vous aurez ce petit carré au milieu, vous cliquez sur « Wild », ça va l'enlever, donc après pour commencer la vidéo, vous cliquez sur le petit bouton rouge là, et pour l'arrêter, enfin pour mettre pause quoi, et ben vous recliquerez, il y aura deux barres, enfin les barres pause quoi, comme vous connaissez, enfin le signe pause, et pour remettre vous rappuierez, enfin c'est tout ça, et après donc pour l'enregistrer, donc sur les côtés là, à la place de ces deux machins là, donc tout ça en fait, il y aura écrit le temps de votre vidéo, restart et done, enfin je sais pas comment on dit, mais vous cliquez surtout pas sur restart parce que sinon ça va vous recommencer la vidéo depuis le début, vous devrez tout recommencer, et vous cliquerez sur done, ça va l'enregistrer. Après, vous allez atterrir sur un écran où vous allez voir, votre vidéo avec sur les côtés, HotPod, Screencast, YouTube. Vous cliquez sur YouTube. Et après, vous aurez, mettez le titre, la description. Ensuite, vous descendez tout en bas et vous mettez Outpile de YouTube, un peu comme ça. Enfin, voilà. Vous mettez ça, et après, la vidéo va se mettre en ligne toute seule. Voilà, tout simplement. Donc, c'est vraiment pas compliqué. Désolée, je peux pas vous le faire voir, parce que vu que je suis en train de filmer avec ça, bah, c'est assez dur. Mais je vais essayer de trouver... oui, par exemple, pour activer le son, parce que vous pouvez le désactiver, vous cliquez sur ça, là. Le petit bouton. Vous aurez deux trucs, hein, vous verrez bien. Après, si vous comprenez pas mon tuto, c'est pas grave, parce que je sais pas très bien, c'est mon premier tuto, je sais pas très bien comment on fait. Donc là, voilà, on voit vraiment bien comment ça fait. Donc là, c'est pour mettre en route, là, c'est pour mettre le son, là, c'est pour mettre la webcam, là, c'est pour fermer tout le truc, et voilà. Après, vous pouvez régler avec ça la taille, hein, comme un peu partout. Et voilà, c'était ça, c'est assez simple quand même à utiliser. Donc c'est tout simple, voilà.
Donc, juste, je crois que je vous l'ai déjà dit dans la vidéo. Je me souviens plus. Si quelqu'un pourrait me dire comment on fait pour craquer Aquasoft et pour l'utiliser, parce que je n'y arrive pas, je suis très nulle, oui, mais j'y arrive pas, donc voilà. J'espère que ce tuto vous aura aidé et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Voilà, bisous!